Allez, on y va. Et le jeu. Salut Charlie, ça va? Salut Tommy Tanks. Chez Caribou, prends ta chaise, regarde-moi. Bienvenue à la tribu du Caribou canadien, mon ami. Ça fait super plaisir de t'en faire. Oh yeah! Et oui, le français a été rajouté. C'est une partie. Le live avait été arrêté. Pensez bien vous trouver ici. Regardez les chevaliers partir en mission autour d'or. Ne vous en faites pas. Vous êtes la meilleure recrue que cette femme en poste ait vue depuis longtemps. Vous ferez bientôt partie des chevaliers qui viennent. Et je serai encore ici à faire des commissions du commandant. D'ailleurs, ça me fait penser. Il m'envoie vous chercher. Vous devez vous rendre au bureau du commandant Six Silser. Essaye! Au plus vite! Vous feriez mieux de vous dépêcher, il semblerait encore plus impatient que d'habitude. Vous feriez mieux vous dépêcher, vous connaissez le commandant. Leurs yeux trouveront toujours ceux qui brillent intensément. Ils se souviennent des actes de cette vie et nous offrent grâce à leur côté dans la prochaine. Laissez la lumière des gardiens illuminer votre chemin et vous aideront. Vous serez en difficulté. Des gardiens, je jure, de prêter mon épée au territoire du Guildea. J'illuminerai les endroits où les ténèbres résident. Mon bouclier sera toujours prêt à défendre les personnes sans défense. Je chercherai à faire preuve de... Pardon, mais je ne peux pas m'entraîner avec vous aujourd'hui. Henrik, que je dois rester au lit jusqu'à ce que je dois être mieux. Revenez me voir s'il vous plaît, c'est quelque chose d'intéressant, d'accord?
pas chasser les bandits et moi je réussis à nettoyer. C'est la dernière fois que je joue au D dans les cadres. On t'entend pas bien? Comment ça? Yo yo yo, comment ça tu m'entends pas bien? Là, est-ce que tu m'entends mieux, mon petit Charlie Nini? Si vous voulez mon avis, le cheval au commandant mange mieux que nous. Si vous voulez mon avis... Okay. Si vous connaissez les règles, que personne ne quitte cet avant-poste sans accord du commandant. Jamais ce château-là. J'ai trouvé un livre. En l'an 398, la tyrannie du terrible roi Trell de Lunhan força de nombreuses personnes à choisir entre la vie et leur principe. Les gens étaient perdus et désemparés après la destruction de la capitale, mais le général Cyrus Tifali décida de les guider et se donna pour mission de protéger le territoire afin de que conseil de chef puisse établir Gildea. Un royaume sans roi. Ce conseil fut créé afin de s'assurer que le pouvoir ne soit jamais concentré dans les mains que d'une seule personne. Peu après la fondation de Gildea, la première action du conseil fut de créer officiellement les chevaliers Gildea, avec à leur tête Tifali en personne. Oui, moi. 114e jour de Luminaire de 772, deux recrues ont été surpris en train de parier 10 jours de corvée supplémentaire pour les deux. 115e jour de Luminaire de 772, nous avons reçu un rapport indiquant que des bandits attaquaient les marchands sur la route de Delcat. Le commandant a envoyé les chevaliers à enquêter. Êtes-vous ici pour emprunter un autre livre? Souvenez-vous que même le plus puissant guerrier peut s'améliorer grâce à l'apprentissage. Je sais. Je suis moi-même un grand guerrier. Voilà, entrez, le commandant vous attend. Non, non, je suis pas pressé, j'ai des choses à aller vérifier. J'ai entendu dire que le commandant vous cherchait. J'espère que vous poserez pas de problème comme petite recrue. Hey, toi, commence pas à me faire mettre sur les nerfs. Je suis assez stressé comme ça, le commandant qui me cherche déjà. La matinée était plutôt calme, mais en vue magnifique. C'est vrai, c'est beau. Hein. C'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Fantastique. Au repos, recrue, j'ai une mission pour vous. Il y a une petite ville minière à 3 jours de route vers l'ouest de Mnon de Cartmas. Ce matin, j'ai reçu une lettre en urgence de la part du maire de la ville. Il affirme que les mineurs ont été attaqués par une bête sauvage alors qu'ils travaillaient dans les mines. Désormais, ils refusent de retourner travailler tant que le problème n'aura pas été réglé. Je sais que cette affaire peut sembler banale, mais nous dépendons de Katas pour nous réapprévisionner. Comme vous le savez, j'ai envoyé les chevaliers en mission hier. Je n'ai donc personne d'autre vers qui me tourner. Vous devez vous rendre à Katas et faire le nécessaire pour que les mines reprennent du service. Je pense que vous avez ce qu'il faut pour devenir un chevalier Gildéan, mais vous devez d'abord faire vos preuves. Vous avez bien compris les ordres, oui, maître. Et rendez-vous à la murée, équipez-vous correctement avant de prendre
La route pour Karthas. Bon voyage, recrue. Ouais, votre première mission? Je sentais qu'aujourd'hui serait votre jour de chance. Faites attention! En vous rendant à Karthas, les tempêtes de neige sont dangereuses à cette période de l'année. Je ne peux pas vous laisser passer. Allez, l'armurier, vous équipez correctement. Oh mon dieu. Pas de soucis, je cours. Un instant, vous aussi, vous partez en mission. Cette journée ne fait qu'empirer. Oh mon dieu! Alors comme ça, le commandant vous a confirmé votre première mission. Vous aurez besoin d'une arme dans ce cas. Prenez une épée sur le présentoir. Oh, la belle épée. Épée courte, assurez-vous d'avoir équipé votre épée avant de partir. Souvenez-vous que votre entraînement, tout ira bien, d'accord. Équipement. Épée courte. Allô, Mehdi, Chico, what's up? How are you? Vous feriez mieux de vous dépêcher. Je me dépêche, mon ami. Allez, vous partez pour votre première mission. Arrêtez, il fait froid tout là-haut. N'oubliez pas que vous devez couvrir ce Mehdi Chico, ça va bien, merci, oui. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut. Assurez-vous de n'avoir rien oublié. Une fois que vous avez franchi cette porte, il n'y aura plus de retour possible. Et sauvegardez. Tout devrait être correct. Bonne chance. Vous en aurez besoin. J'aime ce cheval. J'aime cette vue. J'aime cette vie. Je dois partir. Une mission m'attend! Salut Blaster. Ça va bien? Sauvegarder. Karthas depuis 670. Salut cheval.
Pour une fois, je dois reconnaître que vous avez bien peut-être quelque chose d'intéressant à dire. La tribu que vous avez décrite dans vos lettres précédentes semble être ancrée dans la réalité. Je ne peux pas en dire autant de vos théories fantaisistes sur le roi Trell. Je vous attire, Blaster. Je me réjouis de voir que vous avez enfin écarté cette hypothèse puérile concernant des forces magiques qui auraient fait basculer le roi dans la folie. Vous devriez concentrer vos efforts sur cette civilisation ancienne. Ce serait peut-être votre dernière chance de faire vos preuves. Alias, le caribou fou. Employé uniquement, interdit aux autres. Oh, les mines, c'est là qu'ils s'en fait. Il y a du monde qui s'est fait attaquer aux mines. Quoi ça? Mais si ça... Oh, allez, tu me niaises-tu? Si vous avez des informations concernant les allées et venues des personnes ci-dessous, veuillez contacter le maire immédiatement. Félix Pharaon et Drake Stryker, les célèbres duos et recherchés par le royaume de Gildea pour être jugés pour vol et piraterie. Ils ont été aperçus pour la dernière fois se dirigeant vers l'est en direction des montagnes ladoriennes. Attention, ils sont tous deux considérés comme armés et dangereux. Si vous croisez leur chemin, veuillez contacter les autorités immédiatement. Le centenaire de Carta approche le 121e jour de Luménote 772. Nous nous réunirons pour célébrer le jour historique où le J.O. Carta fonda la ville. Tous les habitants et les visiteurs sont conviés. Veuillez apporter un plat et à partager. Et rendez-vous là-bas, bande d'esclaves. Par la grâce de gardien du chevalier du Gideon! Oh, vous n'êtes qu'une recrue. Enfin, j'imagine que vous deux, je devais être reconnaissant. Je ne... plus être seul. Je suis J.Q. Carta, le maire de cette ville, et je suis le responsable des mines juste en dessous. Malheureusement, les mines sont de moins en moins productives malgré tous nos efforts. Mon équipe cherchait de nouveaux gisements, mais elle n'a trouvé que la bête sauvage dont je vous parlais. Mais il y a quelques jours, la situation a empiré. En pleine nuit, une horde de créatures hideuses est sortie des mines et a saccagé la ville. Ils s'appelaient les Blasters. Au matin, j'ai enfin rassemblé mon courage pour enquêter et découvrir que la ville était déserte. Je vous en prie. Vous devrez trouver les habitants disparus et aider les restaurants. Et prenez cette clé, elle ouvrira la porte des miennes. Merci! Elle ouvrira pour revenir si vous avez trouvé ci-dessous. Que ce soit. Si vous trouvez n'importe quoi, venez me voir, mon petit lapin. Elle est où la mienne? Elle est où la mienne? Allez, à la mienne! Est-ce qu'il y a des gens ici? Ça. Vous sentez une protection vous entourer. C'est vrai, je le sens. Ah merde. Ah, j'ai pas vu ça. Level up.
N'oubliez pas d'aller retweeter ma bande de tweet. Ma bande d'amis. Ma bande d'amis tweet. BG. Jusqu'à présent, j'ai juste à gauche. Pas trop casser la tête. Gauche, 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 gauche. Oh, une partie parfaite. Ah, ça fait mal ça. Et ça, les chauves-souris. Mais... pretty cool. Ah ouais, c'est tout le temps ça qui arrive avec les maudites chauves-souris. T'arrives jamais à les pogner, ça va jamais à la bonne hauteur. Je vois rien. Même manière de me remplir. Inventaire. Une pomme. Merci. Yoï, monsieur, yoï! Oh oui! Yes, yes! Ça me fait peur. Monsieur, il vous correct! Monsieur! Merci pour votre aide! Je suis le professeur Basden de l'Académie des sciences Gildéan. Je suis arrivé à Karthas il y a environ un an à la recherche de vestiges de la caravane du roi Trell. Pendant mon séjour en ville, j'ai appris l'existence d'anciennes peintures dans ces cavernes. À ma grande surprise, elles ont été réalisées par une tribu inconnue qui a vécu ici il y a près de 1000 ans, les Charlinini. Je les ai surnommés les Landori en hommage à des montagnes et j'ai ensuite consacré tout mon temps à les étudier. C'est un peuple vraiment très intéressant, mais c'est leur disparition soudaine qui a attisé ma curiosité. Mon travail se déroulait dans un accroc jusqu'à ce que quelque chose se faufile derrière moi et m'assomme. Je pense que nous gagnerions à découvrir pourquoi ces personnes disparaissent ici et continuent à disparaître. Les derniers endroits où les mineurs ont travaillé étaient à l'étage inférieur. Nous devrions donc commencer là-bas. Venez ensemble. Nous devrions ouvrir la porte qui donne accès au niveau inférieur des mines. Nous devrions. Thank you.
on n'a pas été là. On peut aller là, par exemple, il y a quelque chose, regardez. Oh, boss. Porte qui s'ouvre, waouh. Je sais pas ce que je suis, par exemple. Sauvegarder. Sauvegarder ma progression. Ben oui, parce que je suis un progressif. Oh mon dieu, tout a explosé. T'es fabuleux. Ben oui, j'ai trouvé la sortie. Elle est là. Allez, la gauche, comme d'habitude. Gauche, gauche, gauche. Ah, je n'avais pas vu la face LED. Hein, on peut briser ça, ben bon lieu divine. Je savais pas ça. C'est ce que je suis tout seul. Ouais, faut pas que je vais à gauche parce que j'ai déjà été. Du roi Trell a peut-être été vaine, mais par chance, j'ai découvert la preuve de l'existence d'une ancienne civilisation ayant prospéré dans ces montagnes il y a plus de 1000 ans. Je vais les appeler les tribunes londoriennes, dans la référence des montagnes londoriennes où ils vivaient autrefois d'après des peintures. Ils s'achetaient de la société chasseurs-cueilleurs pacifiques. Leur langue écrite était primitive, mais très semblable à l'écriture ancienne de Delcat. Cette civilisation était liée aux anciennes tribus orientales. Il me faudra davantage de savoir par la traduction. Il m'en fera. Ah bah, là. Oui. Pendant que je bloque la porte. Vas-y, c'est fait, j'ai bloqué la porte, mais ne suis moins. Monsieur, vous êtes où? Monsieur, vous êtes où? Colin. Ouch, Colin. Hashtag tabarnak, réveille-toi! Va mourir. Va mourir! Thank you.
Oh, tabanache, ok. Faut sauvegarder. Ah, je pouvais aller là si je voulais. Caché là, pas d'autre chose à faire. Un petit café à prendre quelque part. Oh ben. Saute même pas assez haut en plus pour le pogner. Hostie, j'avais pas vu.
tes ennemis, sinon c'est ce qui arrive. Qu'est-ce que tu vas jouer aujourd'hui, Blaster? J'ai oublié de comprendre le principe, comment ça fonctionnait. Satan, on est tout plein. L'avantage, on peut faire ça un peu plus loin par exemple.
fait, là. Arrête de se lever. Des raisins. On va pouvoir se remplir, vu qu'il y a plusieurs raisins. La déplate du clic, c'est un raisin. T'as un raisin, t'es pas voyant. Ah! Oh, score, yes. Ah, critical. C'est mal, ça. Il y avait une belle histoire qui se racontait sur ce niveau. Je vous conseille d'acheter le jeu et la lire. Ah, t'es lapin. Ça, c'est tout ce serait le fun pour regarder. C'est belle, hein? Hey, as-tu... Tabard. Je pense que je vais prendre une chance. Je pense que je vais... Ah, tu peux pas aider. Je peux pas sauter à cette loin. Je pense que j'ai fait une erreur. Sauvegarder, je pense que c'est l'autre côté pour aller sauvegarder. Et la porte reste ouverte, par exemple, je peux retourner. Regardez, c'est par ici. Un des deux côtés. Ouf, bon, ça déstresse. Aïe, aïe, mes fesses. Ça déstresse de pouvoir sauvegarder, non? Ouais.
Alors, ça ne tentait pas de te faire ça de nouveau. La machine qui est là, c'est le mécanisme qui t'amène jusqu'en bas. Change de sauvegarde. Je sais pas quoi faire, je l'ai sorti de nouveau. On va aller à droite cette fois-ci. Il y avait un coffre à gauche avec une épée par exemple. Pas y aller. Non, il faut une nouvelle capacité, vraiment le. Donc, avançons. Hmm.
Un petit level qui monte serait le fun. Est-ce que je vois mes XP quelque part? Expérience là. Mais sur combien? Voyons, tabac. Ah, on calisse. Ah bah oui, GG. Sauter, m'en aller en courant comme un petit lapin, mais le petit lapin n'avait pas une dans les fesses. Voilà à gauche. Voilà à gauche, on va aller chercher l'épée. Peu importe. Il faut. Ah! Il faut une meilleure épée. Tiens. Tiens. Une carotte en plus qui va m'aider à pogner l'épée. Calice. Qu'est-ce que tu fais? Faut que j'arrête de tuer les... Et là l'épée, ben... T'es ben con! Passe moins fort que la massue, mais peut-être plus rapide aussi. Ça, la massue, elle frappe par en haut comparativement à l'eau qui frappe pas par en haut.
penser qu'est-ce qu'on va aller faire tout de suite, hein? Je lancerai mon téléphone dans la télé, tabarnache là! C'est n'importe quoi! Et sur cette fail, on change de jeu.